La question que je me suis posée au fond, c'est dans la perspective de l'islam, qu'est-ce qui fait qu'un être humain est humain précisément? Qu'est-ce qui le fait homme? Qu'est-ce qui le fait homme? Il y a un récit, le Coran commence par un récit qui est assez paradoxal. Dieu crée Adam et il demande aux anges de se prosterner devant Adam. Peu de temps après, Adam, mis dans le jardin, désobéit, mange du fruit de l'arbre et il est expulsé. Donc on se demande au fond, pourquoi est-ce que l'homme serait tellement supérieur aux autres êtres, puisqu'il transgresse alors que les anges ne transgressent pas, et il est envoyé sur terre où finalement il ne se conduit pas de façon exemplaire. Et donc dans le livre, j'ai essayé de comparer ce qui est demandé à l'homme et ce qui est demandé aux anges et aux animaux. Les anges et les animaux aussi sont beaucoup plus obéissants. Alors les hommes et les animaux, c'est très intéressant parce que dans le Coran, ce sont des êtres intelligents. Les animaux sont des êtres qui adressent des prières à Dieu. Ils sont conscients, ils ont une charia, ils ont une loi, et ils y obéissent. Alors au final, pourquoi est-ce que l'homme serait au centre de l'univers, au point de mériter l'adoration des anges, alors qu'au fond, c'est le plus transgresseur de toutes les créatures? Il n'y a aucun être qui transgresse plus que l'homme. Et la réponse au bout de l'enquête, au fond, c'est de dire oui, mais un ange restera toujours un ange, un animal restera toujours un animal dans son espèce. Un homme, lui, peut devenir soit aussi plus grand qu'un ange, soit pire qu'un animal. Donc c'est ça l'incertitude de l'être humain selon l'islam. Et la charia, la loi, est là pour guider l'homme à devenir de plus en plus humain. Alors c'est une idée, disons, assez noble que l'être humain n'existe pas encore, il est en devenir. Il doit arriver, l'être humain doit arriver. Mais on peut voir aussi l'utilisation politique par le courant fondamentaliste. Si on dit que plus un homme obéit à la charia, plus il est humain, ça veut dire que les gens qui ne sont pas musulmans ou les musulmans qui n'obéissent pas à la charia sont moins humains. Et donc on voit que toute une attitude d'intolérance peut se glisser là.